le prank. John, Greg et Will sont les sosies de l'impossible. Leur ressemblance avec les people est approximative, et pourtant... Excusez-moi. Oui ? Vous ne seriez pas Eddie Mitchell ? Ah non. Vous ? Eddie Mitchell ? Ouais. Non, c'est pas moi. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Vous ressemblez pas à Eddie Mitchell. La plupart des gens me arrêtent pas de me confondre avec Eddie Mitchell. Tiens, c'est marrant. Je chante... Ah oh, le boogie boogie, moi là 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 là, soir. Ah, oui. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Regardez, Eddie Mitchell, il est là. Mais attendez que je regarde pas, voilà. Oui, vous le ressemblez. Voilà. Je regarde depuis tout à l'heure, c'est pas Nicolas Sarkozy par hasard? Oui, c'est moi. Ça vous dérange pas si je prends une petite photo? Bah non, ça me dérange pas, non. C'est dommage que vous soyez plus président, parce que je trouve bien. Ouais, c'est vrai que... Bah je vous en prie, je l'adore, Gérard Jugnot. Allez. Merci. Mais il me l'a dit. Vous êtes fait avoir. Quoi ? Vous avez raison, il ressemble pas du tout, regardez. La dame, on a vu avec la dame, c'est pas du tout Gérard Jugnot, je me suis trompé. Viens là. Non mais je suis pas tombé sur la tête moi. Mais vous l'avez reconnu dans les choristes ? Mais non, si. Mais, les choristes c'est pas mais le c'est... Ouais, ça commence, c'est une photo avec Gérard Jugnot. Mais j'en ai rien à foutre de lui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce type ? C'est un faux en plus. Bah bien sûr, non mais vous me prenez pour qui vous ? Allez dégagez hein. Danny Boone. Dani, bienvenue chez les ch'tis et bienvenue tout. Chez les ch'tis. Biloute. Biloute, ouais. Merci beaucoup. Si vous voulez une autre photo, 5 euros. Pardon ? Non, si vous voulez une autre photo, 5 euros, voilà. 5 euros ? 5, ça vous va ? Ouais. Bah on en reprend une comme ça, alors. Merci, Dani. Il est super. Mais il veut plus, il a demandé des choses. Bah ouais, je trouve ça un peu bizarre, quoi. Il manque pas d'argent. Il lui ressemble, mais c'est peut-être pas lui, hein. On va regarder. Il ressemble un peu, quand même, hein. Non, mais il ressemble, je suis d'accord. Hein. Attendez. Il a des traits, il lui ressemble un peu, et... Et bon, ça doit pas être la première fois qu'on lui dit. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger, vous êtes pas Danny Boone par hasard ? Si. J'adore. Bonjour. Ah, j'adore ce que vous faites. C'est vrai ? Ah vraiment ? Alors. Bah écoutez, ah, ça merci. Fait, ouais. Ça fait bizarre. Dans les ch'tis. Oui, oui. Ah les ch'tis. Vous avez bien aimé ? En biloute. Voilà. J'adore. Au revoir, merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Je vais faire pareil, ça vous en est ? Ah bah non, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Allez-y. Parce que moi, je vous avais pas reconnu, pourtant j'ai vu le film. C'est vrai ? Bah allez-y. Super, merci beaucoup. Eh ben de rien, y a pas de problème. Vous avez vu les ch'tis, alors vous aviez ouais. Bien aimé, oui. Ah bah oui. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que vous avez fait comme film dans l'avant ? Je suis en train de faire un tournage sur un nouveau film avec Cadmera encore. Ah ouais ? Ouais, parce que c'est un pote. Ouais, c'est, oui, on s'est devenu un pote, oui, bien sûr. Jean Zagolman ? Oui. Vous pouvez me chanter un truc là ? Devant monsieur ? Je marche seul. Je marche seul. Bonne journée à vous. Au revoir monsieur. Au revoir. Je suis un sosie de Jean-Jacques Goldman. Je lui ressemble, oui. C'est que vous ressemblez beaucoup. Excusez-moi de vous déranger. En fait, je me demandais depuis tout à l'heure, j'avais un doute, mais est-ce que c'est vous, Omar Sy ? Non, du tout. Omar Sy, il est noir. Ah oui, d'accord. C'est juste que mon ami, il est sûr que c'est vous, Omar Sy, donc on était... Non, c'est sûr que... C'est un Renoir, Omar Sy. Vous savez qui c'est ? Vous êtes de Paris, au moins ? Non. Vous regardez un peu le cinéma, un peu ? Bah, ouais. Pour poser une question comme ça ? Vous êtes pas black, c'est sûr, quoi. Moi, je suis pas black, non. D'accord. Vous êtes caisse ou quoi, là ? Ah, le revoilà. Invitez-moi à manger, je viendrai avec plaisir. Dites à votre mère de faire un couscous, j'aime bien ça. Ah bah attendez, je vais lui demander, et je vais l'appeler. Il y croit beaucoup, et c'est pour ça, si je peux venir manger chez eux... Vous pouvez le faire, ça ? Oh oui. Je suis allé manger chez 10 personnes, là. Chez 10 personnes, je suis allé manger. Moi, je n'arrive pas à votre plan. Mais venez, jeune homme ! Non. Jeune homme, venez ! Moi, laissez faire. Demain, oui. Vous n'êtes pas à un couvert près. Monsieur, il peut venir manger avec nous. Mettez un couvert en plus, appelez votre mère et j'invite monsieur. Demain, Goldman et monsieur, vous appelez ? Abdel. Voilà, Jean-Jacques Goldman et Abdel qui viennent demain manger. D'accord. Dites à votre mère. À demain. Au revoir, Michel. Bah, à demain. À bien manger, hein. Ouais, on va se régaler. Excusez-moi. Oui. Bonjour, vous travaillez ici ? Oui. Ça vous dérange de me faire passer devant tout le monde parce que là, j'ai pas envie de faire la queue, j'ai que ça et tout. Pourquoi vous voulez pas faire la queue, monsieur ? Parce que vous savez qui je suis, quoi. Non, pas du tout. Non, vous me reconnaissez pas ? Une petite terrain. Bon, bah tant pis. Vous êtes Jean du Jardin ? Oui, c'est moi. Ah super, je peux prendre une photo avec vous ? Ouais. Mais qu'est-ce que vous faites au supermarché ? Bah, oh. Je me balade quoi. Vous voulez faire une photo ? Ah bah bien sûr que je veux. Je suis super content de rencontrer Jean du Jardin au supermarché. Moi aussi. Merci. Je vous en prie. Il n'y a pas de souci. Monsieur, excusez-moi. Oui. Bah, excusez, je suis vraiment désolé, je vous avais pas reconnu. Ouais. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Allez-y, je vais vous faire passer. Ah, c'est vrai, c'est sympa, merci. Excusez-moi, mesdames et messieurs, on a une personnalité, je viens d'avoir la sécurité. Tu peux le faire passer, je peux passer devant vite fait. Merci, allez, c'est gentil. Merci, désolé. Hein. Merci. Merci, madame. Merci, bonsoir. Au revoir.
revoir. Merci, au revoir. C'est incroyable. Mais je ne le connais pas, c'est qui lui? Vous savez quoi? Il y a quelqu'un qui m'a offert des vacances à La Réunion pour partir avec lui et sa famille. Je pars cet été. Il croit que je suis Jean-Jacques Goldman. C'est fort, vraiment c'est fort. C'est un pacte gagnant-gagnant en fait. C'est gagnant-gagnant. Déjà, je suis sosie physique de Jean-Jacques Goldman et vocal, c'est-à-dire que je chante un peu comme lui, donc j'ai cette chance-là. Quand je fais « Je te donne mes mots, mon indécible espoir, et laisser dans les doutes, laisser dans l'espoir. » Donc ça me permet de jouer encore plus l'illusion. C'est impressionnant. J'ai jamais rencontré un phénomène comme ça. Merci, monsieur. Bonjour. C'est pas toi, c'est pas Kev Adams? Ouais, c'est moi. Bonjour. Ouais. Chanté. Est-ce que ça te dérange si on prend une photo? Comment? On met de la télé, lui. Ouais, c'est Kev Adams. Ouais, Kev Adams. C'est pas lui. Kev Adams. Bah, c'est moi. C'est vraiment toi ou pas? Ah, c'est moi, c'est moi. C'est pas lui. Si, c'est moi. T'as pas vu la vidéo sur Internet? Le mec qui touche la main, là. Ah, ouais, bah ça, c'était pour aider les potes d'Internet. Ah, ouais. Kev Adams. C'est quoi ton nom de sur Instagram? Ok, mais bien avec Kev Adams, hein. Tu l'as mis? Ouais, j'ai mis. Ah, génial. Big up, les mecs. Ciao. Oui, je suis mort de rire, s'il l'a vraiment. C'est quoi déjà le nom? Je crois qu'il a dit... Attends. Avec le poteau Kev Adams. Énorme. Il l'a vraiment mis. Bonjour, je vous regarde depuis tout à l'heure. Vous êtes bien Jean-Marie Bigard? Est-ce que j'ai la gueule de Jean-Marie Bigard, franchement? Excusez-moi, désolé. Putain. Le prochain qui me demande si je suis Jean-Marie Bigard, il a mon poing dans la gueule, hein, je te le dis. Hein. En fait, c'était une petite caméra cachée. Je suis pas Danny Boone. Il n'est pas Danny Boone. On teste l'influence des stars dans le public. Vous l'aviez reconnu ou pas? Non, j'ai pas reconnu les oreilles, il manquait les oreilles. Ah ouais, mais c'est parce que je me suis fait recoller. Donc vous l'aviez reconnu, vous? Non. Ah, non, non, donc... Non, mais il aime mes films quand même. Donc ça fait plaisir. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro.